Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, le syndrome alvéolaire se définit comme étant d'abord la disparition de l'air alvéolaire. Et cet air alvéolaire est remplacé soit par du liquide anormal, soit par le développement intra-alvéolaire d'un tissu pathologique. Par exemple, l'adénocarcinome bronchiolo-alvéolaire. Il traduit l'hépatisation pulmonaire sans réduction du volume du territoire atteint. Qu'il s'agisse de liquide anormal ou de tissu anormal, les deux vont donner une opacité et cette opacité est dite de densité hydrique parce que le tissu est considéré comme étant un élément à forte composition hydrique. Donc, le syndrome alvéolaire va réaliser des opacités de densité hydrique. Ces opacités ont six signes radiologiques, six caractéristiques. La première, l'opacité est d'abord à limite floue, puis plusieurs opacités contiguës vont confluer, donc ce sont des opacités confluentes, et lorsque ces opacités confluent et arrivent au contact d'une scissure, elles vont avoir une limite nette, limite qui correspond à la scissure en question. C'est ce qu'on appelle une opacité systématisée. Dans cette opacité, on peut voir des clartés linéaires qui bifurquent, qui traduisent de l'air qui existe encore dans le système bronchique. C'est ce qu'on appelle le bronchogramme aérien. Cinquième signe d'opacité alvéolaire, ce sont les opacités dites en aile de papillon qui traduisent l'œdème pulmonaire. Ces opacités sont dites en aile de papillon parce que ce sont des opacités qui sont de distribution paracardiaque, qui noient les bords du cœur, qui respectent les sommets et les bases, donc réalisent une image en aile de papillon. Le corps du papillon est constitué par la silhouette cardiaque. Enfin, un signe évolutif, l'évolution des opacités alvéolaires est en général rapide. Sur les observations suivantes, vous êtes amené à répondre à la même question: quelle est la sémiologie radiologique et quelle est la localisation de l'opacité? Et bien sûr, il faut rappeler le numéro de chaque observation.
Merci de votre attention.